Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais au top. Aujourd'hui, je vais faire un petit tuto comment installer Clownfish pour Skype. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est un logiciel qui change ta voix, gratuit, qui donne pas de virus. Je vais vous mettre le lien, le site de, dans le lien. Le lien. En tout cas, je vais mettre le lien dans la description. Très important, lisez la description, sinon allez sur Clownfish. Mais c'est déjà plus facile si vous faites juste cliquer sur le lien. On passe à d'autres choses. Cliquez pas sur Download sur n'importe où sur le site parce que ça peut être des virus. Vous allez dans Download en haut à gauche, vous faites ça. Moi, j'avais déjà fait, donc je vais pas le refaire. Après, vous faites Download Now. Vous faites Next, Install. Vous n'avez rien à cocher ou à décocher. C'est déjà fait. Après, ça va apparaître ici. Ben, ici au départ, mais après, ça va disparaître ici. Si vous voulez entendre votre voix, vous cliquez ici. Si vous voulez changer votre voix, c'est ici. Ça, c'est les voix qu'ils proposent, mais Pitch Manual, c'est toi qui décides ta voix. À gauche, c'est plus grave, puis à droite, c'est plus aigu. Vous pouvez pas changer votre voix quand vous êtes pas dans un appel Skype. Et quand vous êtes, quand vous allez être dans un appel Skype, vous allez voir en haut quand ça veut pas marcher la première fois. Faut que vous allez dans la convo Skype et en haut ça va être marqué décliner l'accès si je me souviens bien ou autoriser l'accès. Faites autoriser l'accès c'est pour Clownfish pour que votre voix change. Et si vous voulez vraiment tester, ben appelez le genre de robot qui vous transmet votre message pour voir si votre micro marche. Ça marche énormément bien. Vous pouvez le changer et j'espère que le tuto vous a plu. Ben c'était pas un tuto vraiment clair, je crois, parce que c'est j'ai pas vraiment fait le téléchargement avec vous. Vous allez voir, vous faites juste next install, puis vous allez voir si vraiment ça va marcher. J'espère que vous allez aimer votre nouvelle voix. Merci d'avoir regardé la vidéo et ciao.